Voilà, merci, bienvenue, bienvenue à vous tous. Salutations à vous tous partout, vous êtes branchés, connectés. Je suis Bolloa, à la présentation. Avec Eric Moukoula, les grands journalistes et puis analystes politiques à niveau à Kinshasa. Eric Moukoula, bah, salutations à nos compatriotes, peu bah, nambo kanyo sa Congo dialogue, bah, zolanda yo. Voilà, dis-nous un peu, Eric Moukoula, sur le terrain, Tozolan démissionne sur l'analyse affaire Eliezer, comme à niveau Nin, Azali libéré, Nananga Bimissi. Eliezer Azali libéré par après retrait à plein de la qui concerné, c'est-à-dire le soi-disant victime qui est monsieur. Pour les samedi, après, il était à plein de juste au lendemain. C'est comme si ce n'est pas évident. Normalement, la justice, moi, j'ai assuré, ce n'est pas automatique, mais apparemment, j'ai dit automatique. Directement, le procureur a demandé à Zalarémi en liberté. Zalarémi en liberté, quoi. Donc, voilà. Alors, quitte à la question de savoir, Nanya, moi, fini, c'est Négotuni, Wana, bon, Moutunion, sur Azoling, à Balakisae, Couronne, il y a des gens ici. Normalement, ils ont pas dit, il y a l'association après ça, il y a un décidé, on va le voir, il va qu'il y ait là. On va sur la langue, il y a ça, il dit. Bon, il y a deux, trois jours, je me suis rencontré avec Mathéo Pissou. Au lieu, il y a un communicateur, il y a la majorité présidentielle, par le président. Il y a un match, il y a un précédent. Une chose est sûre, le Désert est libre. Bon, jusque-là, on confirme que M. Eliezer est libre. Alors, vous êtes parmi les monuments et la presse écrite au niveau de Kinshasa. Wana. Je crois que le monde entier est en Abisso. Selon vos analyses, est-ce que c'était. Ils ont dit que c'était plutôt un jeu ou un Ngoya Sali juste pour manifester l'innocence de façon que le dossier diamant est un peu bafoué ou comment? Moi, je, en tant que. Si j'ai fait une analyse personnelle, possibilité, une hypothèse au PCI à Soukane et à Mouana, le plus probable. Parce que montage, le Brésil a offert de la salle. Ça va montrer qu'il y a des langues dans Zakari qui s'est permis un confrère, mais qui s'est permis de dire de voir. Alors que non, voilà, à Zara, vous avez pouvoir, mais il parle de Brésil, il y a Zara, vous avez pouvoir, mais après, si passe Nessim ou qui a. Il y a opposition, ouais. Je pense plutôt que M. Kassadi a sauté premier tout de suite en avant. Parce que si Koyo que Balobi, que voilà, il va remettre rien pour lui. Mais alors, le procureur, un procureur, il ne faut pas à s'arrêter. On doit continuer avec l'action en justice. On doit continuer. Il y a une personne qui est morte. Il faut en pour la diamant. Il faut bah, investiguer justement. Voilà un peu. Voilà un peu. Moi, je me dis que M. Kassadi a sauté premier pour. À garder voilà de la été. Il paraît, selon l'information avérée, des mecs. Là, quelque part, en Belgique, que dans Vert, sur place, je quand même. Bon, ça, c'est juste une rumeur jusque-là, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a eu mort d'homme. Une justice sérieuse, un ministère public sérieux, doit faire des investigations. Donc, c'est juste une fuite en avant, il y a Mouika Sandi. Alors, normalement, c'était juste une justice, ou un mot, il justice, mort. Sérieuse, monsieur, il fallait normalement assez un dommage intérêt. Voilà. Il faut entreprendre l'action civile, mon bon. Mais on s'en aboutira nulle part, parce que depuis le début, Moïka Saint-Joseph, pour qu'il a la justice dans sa poche, il a déclenché une action publique comme il a voulu. On a incarcéré, on a mis en détention les Moïseurs sans couler la norme, alors que c'était même pas le cas. Donc, il avait même dit que les assoués n'avaient qu'à côté de la prison, à côté de la prison, et quand il a voulu profiter, donc, il n'y a aucun intérêt à Goméga pour ça la réplique au niveau de la justice parce qu'en fait, il doit trouver qu'il a la justice dans sa poche. Si c'est M. Ngoïka Sandji a la justice dans sa poche, bon, de l'autre côté, en tant qu'analyste, selon vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Apparemment, Eliezer a sali buzz, comme on dit dans un terme médiatique, a sali peu moins maquillé les naïs. Est-ce que ça peut pas jeune à être tant qu'Eliezer a li peu comme Batchaïka? Bon, écoutez, dire que c'est un coup théâtral pour Eliezer, Eliezer est déjà populaire, il est déjà assez populaire, Batchaïka est déjà cas. Je ne pense pas qu'il aurait attendu, il aurait profité d'un élo pour appuyer.
parce qu'il y a eu mort d'homme, il y en a l'autre. Ça m'étonnerait fort que Ebenezer a participé à moi qui être les Aranangos sur la scène politique des Aranangos, mais là il y a eu mort d'homme, ils ont aussi mort sérieux, où on accuse quelqu'un d'être responsable du mort d'homme, ou accusé de meurtre. On dit, attends, mascarade, on va quitter Aranangos, on va quitter ça, c'est ça. Donc je ne pense pas vraiment qu'il y a juste Yangoa. Ok, un autre élément, Eric Boukoula en direct de Kinshasa, bah, téléspectateur, bah, internaute, bah, branché, bah, Zolandabiso. Selon vous, vous êtes sur le terrain, qu'est-ce qui fait que, parce que les dossiers diamants, ils allaient qu'il y a moko ya moka là, mais qu'est-ce qui fait que les locaux qu'après, arrivé à Eliezer, dans un voyage, dans Cape, y a du Afrique du Sud, et puis, bah, mais qu'on doit la dossier, on a pu battre, et puis, n'a qu'à, à niveau politique, et puis, justice, c'est l'andaï. Est-ce qu'il n'y a pas, moi, bah, Meli, Melo, mon assina, c'est Wanate, oui, salut que Eliezer a un peu victime, Lelo. Juste, quoi, où t'en es en Afrique du Sud, quoi, l'an, na, clonka, via, y'a M. Moïse Katoum, et puis, man, balamao, dossier, Wané Bimi. Que pensez-vous de là-dessus? J'avais soulevé ce point-là, dans l'émission analyse, oui, les Kakapé, dans le Congo Dialogue, j'avais soulevé ce point-là, parce que, Eliezer, c'est pas un sujet à Kala, c'était le 8 mars, l'émission est enregistrée le 8 mars. Yeah. L'émission au Bazo à la référence, c'était le 8 mars. Donc, juste après, plainte et demi, c'est comme si Ngoïka s'en avait déjà entrepris, Babylon au Mongo. Ok. Il y a une autorité, il y a presse à Awa sur place. Mais je pense que le fait que les élèves aussi à Kéda qui n'a dans l'Afrique du Sud, ça a été un peu Ngoïka Sadi parce que c'est que Moïse c'est la belle noire. Donc ceux qui passent mieux dans le Congo, dans le cachet, on a qui est dans Moïse, très facile. Close the door, the kitchen. Batikao, ok. On y parce que combien de fois les Bénézères ont dénoncé à Batilo Mamakani. Ouais. Dans ma émission, il n'y a jamais eu de plainte comme ça. On a jamais crié parce que même les factures ont été créées. Diffamation, je l'avais expliqué. Diffamation. C'est vrai, c'est punissable à la loi. Diffamation à Awa, ils ont propos nous ont dit à Solo, ils ont calomnieux, ils ont puni, ils ont infraction. Mais pour les journalistes, ils ont seulement infraction ceux qui, par propos, ils ont mensonger. Ouais. Donc avant, le bâti les connaissait, ils ont diffamé, nous avons gagné pour la diffamation. Pour nous, on prouver que Makamalo Bati est à l'hôpital. Voilà. Tout le monde a fait une investigation pour prouver que Makamalo Bati est à l'hôpital. Et qu'est-ce qui a dit des connaissances? Parce que c'est son invité qui a parlé de mort d'homme. Voilà, c'est son invité, voilà. Un journaliste de Wendy de l'Africa, là, il a toujours. C'est un langage que l'invité, c'est que Nebuchadnezzar a dit. C'est que le monsieur ici, vous parlez de Wendy Kassani, passe plus de temps ici à Kinshasa que la province Naï. Il passe plus de temps ici à utiliser des filles et tout ça que la province Naï. Mais il fallait le prouver que c'est faux. Pas de belles bagues pour confirmer le voilà qui c'est vrai. Donc voilà, ils ont une infraction moro déjà créée. Alors, je disais que c'est facile. Infraction créée, bongo et à la bas et s'emballer, bas quand on prend en haut, sauf que déjà aux années cachées pour soutenir le Katoum. Parce qu'il faut le dire, jour et arrestation, jour à comparution, il y a des airs en justice. Il y a Mike Moukeba qui est sur place, alors que presse, bah dans presse, bah Zaki Wana, pour essayer de défendre notre collègue. Et vous savez que il y a un policier là sur place, a dit si mandat d'arrêt contre Mike Moukeba, il est mis la poche. Aïe. Mandat d'arrêt. Date de 6 mois. Date de 6 mois alors que Moukeba il est ici. On le voit à l'écran de la télévision, il est toujours présent, c'est facile de le retrouver. Ouais. Mais mandat d'arrêt, combien on a des 5 ans ici. Il va dire quoi après, c'est pas télé, jamais. Voilà un peu, donc c'est sûrement politisé, l'histoire des Katoum, il y a sûrement affaire avec ça. Voilà, merci beaucoup, monsieur Eric. Je sais que vous avez une multiple occupation. Mingi, merci pour votre temps. Vraiment, coup de chapeau à toi, une émission analyse que nous demandons à nos téléspectateurs, bah, internautes, bah, elle a toujours branché dans Congo Dialogue. Bah, l'Andakayo, vraiment, surtout pour notre analyse, surtout que Eliezer a libéré. Je ne sais pas si vous avez un autre mot concernant ces dossiers Eliezer. Maintenant, il est libéré. Maintenant, la question serait, est-ce qu'on continue toujours comme ça, la moussala, on a une ngé, tosko, bah, tchénan, bah, garde-fou. Bon, écoutez, une chose est sûre, ces gens essaient de museler la presse. Vous avez remarqué souvent avec Damien Safou, depuis son dîner à prison. Moi, Zel ou Azagina Wana et sa nécessité, mais je pense que M. Lézère, c'est un monsieur qui est assez ferme parce que, sûrement, vous voyez, pendant qu'il était en prison, il a déjà exigé à ce qu'il y ait un pardon.
retirer plainte, mais il a refusé. Donc c'est un monsieur ferme, c'est un monsieur, je pense que un jusqu'au boutiste, donc il ira jusqu'au bout. Et il sait très bien que vous allez à ça là, c'est apprécié par Badignos, et sûrement qu'il ne voudra pas qu'on dise voir Badignos, c'est un peu au bas. Donc, puisque vous avez envoyé même pas, la négociation autour de ça là, la banalise autour de ça là, on continue à le faire, malgré l'intimidation, pour les autres, ça les mettre sur place. Si on ne le fait pas, en tant que jeunesse, pour ça là, c'est à moi là, c'est des pieds, des pieds. Donc, pour que nous continuons à le faire, parce que si on ne le fait pas, alors, les non-complices, c'est que le régime en place est en fait. Voilà, votre mot par rapport à, parce que comme Eli Eliezer, le loi tant que l'homme de la presse, le loi peut comme la Mtumsu, comme la Daniel Safu, tu n'en parlons même pas, comme la Jacqueline Dalla, comme la paix Eric Boukoula, comme la paix Boloa Lelo. Alors, votre mot, et puis Constant Nio, Zipe, message, nous avons na pouvoir en place, na autorité, à ministère de la communication, en bon cannabis, et puis nous avons un peu de presse, message, nous avons Constant Nio, nous avons un peu. Bon, écoutez, au régime en place, il n'y a rien d'autre à dire. Bah, et le gouvernement, ça, ils le font sciemment. Et la plupart d'entre eux sont des journalistes. Hein? La plupart d'entre eux sont des ministres. Bah, la ministre de Télé, on a commencé par les vice-ministres à l'intérieur de Gobazi. Ça fait une liste pour ça qu'on l'appelait de Gobazi. Alors, ce sont des journalistes. Bah, et puis, ça, là, où, et du coup, ils étaient des victimes. Bah, comme il y a pas boulot, il y a pas de boulot, il y a journalistes. Parfois, ça fait mal de voir des choses comme ça. Mais ils savent ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils doivent comprendre. En tant que journaliste, ils savent que l'histoire se répète. Connaissent l'histoire du Congo, ils savent que tous ceux qui ont opprimé la population congolaise ont fini par tomber. Alors, Bassal et la Mama Ele, Bazonga Batu, Batalassima, Bazonga Batu. On ne disait jamais la presse, ils savent bien. Le journalisme, c'est pour la piste, et bien c'est la passion, donc tout le monde on a quelques intimidations. Hein. Et la Mama Presse, c'est un volo que j'ai aimé, mobilisation, et ça l'a mis autour, il y a des considérations. Alors, il continue pour vous. Je crois que ceux qui m'ont sélectionné comme pour vous, en tout cas, pas toi, il me passe par nous. Quand il y a deux fois, comment tu réfléchis deux fois avant d'attaquer un journaliste. Si mon sélectionné continue pour vous, on avait vu ça avec la Tessaf, on avait vu ça avec les Tessaf, c'est la bombe pour la journaliste. Et on a eu une crise, c'est-à-dire une après ça, ah ouais, on a eu une vérité, parce que moi, je me suis voulu en Afrique du Sud. Leadership là-bas, bien sûr, comme toutes les institutions, là, beaucoup gérer ma fille, les amis disaient. Ils sont achetés par le pouvoir parce que parfois, propos là-bas, quand on s'attaque au pouvoir, les balobalobi, ils nous ont demandé. Et eux, dans leur chaîne, comme M. Jean-Marie Kassamba, qui est le chef de l'IMPC à la province de Kinshasa, qui est pour la chaîne, là, c'est une chaîne, là, sur le Zabou Captaron, là, sur le Route, à la Romondi, ça, c'est pas une chaîne, c'est une caisse à résonance du pouvoir. On voit Maram Balobarawana, donc. C'est quand on le voit, il va où il va, il reste une telle information, pas de passage, ça va où il reste, c'est aventure, n'a aventure. Et alors, on commence par le bas, alors le bas, 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 alors nous, les journalistes, si nous restons unis, je crois que le bas, 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 journaliste bas, le bas, je suis pas UMPC, bah, pour se recadrer et bah, pour dire qu'on a la police comme ils sont. Dans ce que nous remarquons, qu'il y a quand même il y a guerre entre moi, journal monde à UNPC, on les a partagés, bah, on va soutenir, bah, on va contre, bah, on va pour, parce qu'on n'a pas vu seulement mobilisation. UNPC, apparemment, bah, qui m'a rembangoté, parce que peut-être, bah, on décoélisé, bah, on s'en a pas, bah, journaliste, c'est moi qui est indépendant. C'est comme si, bah, on s'était les mêlés, on s'en a n'est-ce pas? Oui, c'est aussi ça, hein. C'est aussi ça, avec eux c'est aussi ça, c'est possible, même chose est sûre, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ce qui se passe dans la carte, il y a l'UMPC. Il y a sûrement peut-être la voie de l'UMPC parce que ils ont structurellement pour la journaliste, mais je ne veux pas nécessairement, en amont, la voie de dire que c'est de la façon de gérer ma campagne, surtout M. Jean-Marie Kassamba, n'a pas la télé 50, mais il a essayé de. Pour ça, là, comme il le faut. Ça, ce sont les dénoncés. Ceux qui doivent dénoncer des choses, ils ont m'a bien isolé qu'à la prise de la parlement, ou de la institution, la primature, pourquoi pas que maintenant vous dénoncez, ou ils ont ça, les managers. C'est ça. L'institution, ou ils ont régime. Donc, c'est un peu ça. Que ce soit UNPC, que ce soit CESAC, il y a toujours, on a vu comment même des collègues, Papa Moller était victime, il y a pas pris que si, politicien. Donc, voilà, c'est un peu ça.
Voilà, merci beaucoup Eric Boukoula, analyste, journaliste à presse écrite à Congo Dialogue, Azo Salam Sala Kitoko. Merci pour votre temps et bon courage. Et puis, ensemble, nous avançons, Malembe, donc liberté d'expression, ils ont raté. Bon, malgré Bakal et Kozalanango, il faut toujours hausser la voix pour speak out, comme on dit en anglais. Vraiment, coup de chapeau à toi et bon courage. Je sais que continue toujours à lire Naoto Savirnayo. Vous avez fait vraiment la fierté à Banaba, jeunesse, à Kinshasa et puis à RDC Mobimba. Merci à vous, Nico Boulois. Ça va, à suivre. Bon. Là, vous venez de suivre, messieurs, Eric Boukoula, mon correspondant au niveau de Kinshasa, mon confrère au niveau de Kinshasa. Il a donné son point de vue dans l'affaire Eliezer qui est libéré. On a essayé un peu de réfléchir ensemble. Est-ce que mes alakinango mascara d'été, les alakinango moyen pour na monsieur gouverneur Mbujimayi aille bah pour éviter dossier à diamanté. Bon, parce que Eliezer est libéré. Maintenant, la question se pose. Alors, Mamba Diama. Diamant pe toi na besoin na ngoto ba suite na ngoza wapi eza na Congo eza na Belgique to eza na Mbokanine, n'est-ce pas? Et les airs est libéré maintenant. Maintenant on doit savoir où est passé le diamant. Hein, en vrai dire, parce que c'était même pas Eliezer qui a dit ça, mais c'est plutôt l'invité que Eliezer avait reçu dans son émission, dans sa magazine, de l'autre côté aussi, Eliezer a été Afrique du Sud, après Afrique du Sud, a tourné, il a couvrir conclave pour les changements à M. Moïse Katumbi, causant à Ghana Kinshasa, Mambé, Kobimela. Et pourtant, ils allaient que l'eau que Salamaki, Bandakala. Vraiment, clavier, ça n'a pas beaucoup d'habitude. Moi, c'est Joseph Boula, l'international. Restez branchés, amenez toujours vos points de vue, vos suggestions sur cette émission. Espace dialogue avec moi, je suis Boulou à l'international, alors la réflexion et la connaissance. Un grand merci, la grand prêtre mère Francine Nguema de la Belgique. Grand merci aussi à toute l'équipe. Merci à El Picanto, Pierrot, hein, boss, grand prêtre, grand prêtre, soutenir Congo Dialogue. Merci à vous, abonnés. Merci, bye.